blame myself. Take me right back to the start. Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous présenter la saison 4. Donc comme vous voyez déjà sur l'écran on a des héros. Donc la saison 4 elle sera basée sur le thème des héros. Donc écoutez, on va aller découvrir tout ça. On va aussi s'acheter le pass de combat. Voilà, je vais vous faire une petite présentation des nouveautés. Ok, c'est parti. Ah ouais, on a une cinématique en plus. Musique intrigante. Ah, ça tue. Alors, héritage du pass. Pour vous remercier d'avoir acheté le pass de combat de la saison 3, vous commencez la saison 4 avec 5 paliers gratuits. Oh, merci, merci, merci beaucoup. Ah, c'est bien gentil ça. Donc vous avez atteint le palier 6. Déjà, je lance à peine le jeu, je suis déjà palier 6, bon d'accord. Bon, j'ai gagné un bouquin. Et j'ai gagné une icône. Ok. Ah ouais. Le fond il tue. Oh, alors le fond il est monstrueux, franchement. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, au niveau de la sélection. Ah ouais, ils ont bien changé ici là. Solo, duo, section, bon on a toujours les mêmes modes. On a toujours le pass de combat, le pass gratuit, ouais. Bah, ce que je vais aller faire, c'est déjà je vais regarder les défis du pass gratuit, ce qui demande un peu. Alors survivre aux adversaires, faire des parties avec des amis, blesser des adversaires, atterrir des lieux différents, faire des parties what? T'as une carte? Ça doit être. Bah à quoi elle peut servir la carte? Il y a un as de pique. Bref. Faire des parties avec au moins une élimination. Là on gagne un fond d'écran. Gagner une partie, la récompense, un top 1, bah oui, ah, je me doute, merci de la précision. Puis là, on a encore des missions du pass de combat qu'on va aller acheter tout de suite. Où est-ce que c'est le pass de combat déjà? Je sais même plus. Acheter le pass de combat? Ouais, ok, on va se l'acheter. Non, on va prendre le normal. Oh, stylé. Onze objets déverrouillés alors. Bonus d'XP perso, ok. Bonus d'XP d'amis. Oh, carburant. Toujours prêt à répondre à l'appel du devoir. Fait partie de l'ensemble carburant. Ah, trop stylé. On a déjà un skin légendaire. Le faucon, skin épique. Mais c'est un vrai héros, fait partie de l'ensemble, force avancée. Ah, ça tue, on a déjà deux skins gratos. Défi du pass de combat, bon ça c'est logique. Encore un bonus XP perso. 5 paliers gratuits, mais je vais être palier 11 là en... C'est quoi ça? Signe X, c'est votre empreinte. Des V-Bucks, merci. Dynamite. Et un fond d'écran, merci beaucoup. Ok, bon on va aller se mettre tout ça les gens. Bon, là j'ai le faucon et là j'ai carburant. Bon, on va se mettre le légendaire. Autant profiter, on mettra l'autre plus tard. Accessoire de dos, bah oui, j'en avais, forcément. Bon, c'est pour le style. Hein.
nouveau fond d'écran. Fond d'écran carburo. Ah là on est refait. Franchement les gens avec ce pass on est refait. Ouais donc là on a le signe et puis là on a un nouveau. Je sais pas, j'ai pas vu. Bah franchement on est pas mal. Alors, super production. Dedans on a. On gagne rien apparemment, c'est quoi ça? Enfin si on gagne quelque chose, enfin je sais pas. Je comprends pas. Accomplir tous les défis d'une semaine, accomplir tous les défis de deux semaines différentes. Voilà. Ah, je crois que tu gagnes une super récompense à la fin quand tu fais en fait toutes. Bon, en fait, quand tu fais les défis là, par exemple semaine 1, si je fais les 7, et eh ben je déverrouille le premier. Et quand tu les fais tous, ben je sais pas, tu dois avoir un super cadeau à la fin. Carburo, défi du le carburo. Atteindre le niveau 10 de la saison. Atteindre le niveau 20 de la saison. Hein, niveau 65. Je comprends pas. Je rêve ou en fait. Bah, je sais pas, tu gagnes toutes des pièces d'armure, ça je comprends pas. Wouah, c'est pété. Apparemment, on aura une grosse armure si on atteint tous les niveaux. Ou c'est une amélioration, je pense. C'est un petit upgrade. Et là pour la saison 1. Pousser des adversaires au snipe, fouiller des coffres, utiliser un fort de poche. What? C'est quoi ça? Un fort de poche. Chercher les lettres Fortnite. Suivre la carte au trésor. Élimination de pistolet. Waouh! Ok, plein de nouveautés. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager à vos amis et votre famille et surtout vous abonner. On va fixer un objectif 15 likes pour cette présentation. Franchement, merci à vous d'avoir regardé. C'était Colonel Gaming et je vous dis ciao tout le monde.